Salut à tous les amis, c'est Mister696. On se retrouve pour notre deuxième épisode du Nibiru. Eh oui, on est sur la deuxième saison. Parce que je vous le rappelle, on a eu un petit souci de serveur sur l'ancien. C'est pour ça qu'on a repris. Donc j'espère qu'en tout cas l'épisode 1 vous aura plu. Et depuis la fin, on a un tout petit peu avancé avec Dave. Parce qu'on a fait un nouveau bâtiment, donc on y a mis tout ce qui est Greg Tech et Industrial Craft 2. Donc voilà, Greg Tech, Industrial Craft, etc. Donc tout ça en 32 et ici en 128, ainsi que le Grinder et l'Industrial Blast Furnace. Et aujourd'hui, on va pas s'occuper de ça, enfin, on s'occupera de ça peut-être après, mais c'est pas sûr. On va se faire un truc que j'avais pas fait dans. Dans la saison précédente, voilà. J'ai un peu galéré à trouver le mot. On va se faire les crafts auto de chez Applied. Donc, pour ceci, on aura besoin. Je vais faire un cube de 6 sur 6 sur 6. Pardon. Donc, il nous faudra donc des pattern providers. Donc 32 si j'ai pas de bêtises, bien calculé pour un cube sur 6 sur 6 et donc 32 aussi crafting CPU également 96 heat vent, donc c'est les ventilateurs et encore 56 murs, enfin ça c'est les tours voilà. Donc ceci ce sera pour moi, enfin en gros c'est ce qui va garder les crafts en mémoire hein, en quelque sorte, et ça sera donc les processeurs. Donc on a récolté quand même un peu de quartz, etc. Donc on va pouvoir commencer. Ça va être super long. Donc je pense que je vais peut-être commencer à faire et ensuite je ferai peut-être une ellipse par la suite. Donc j'ai dit combien de ça? J'en ai dit 32. Ok, on n'a pas de table de craft, c'est bien ça? Si, ouais, c'est bien ça. Ok, alors c'est parti. Il m'en faut 32. C'est parti pour en faire 32 binge. Waouh! J'ai eu un achievement. Ma gueule. C'est énorme. J'ai eu l'achievement de faire une binge winking, une table de craft en français. Voilà. C'est beaucoup mieux. Mince, j'en ai fait trop en fait. Bon, tac. Ok, qu'est-ce qui manque? Super. Tac. Tac. Il m'en faut donc. 32 moins 3, 29. Ah, c'est pas grave. Au pire, j'irai chercher des minerais durant le petit ellipse que je vais faire. Ça va, ça descend pas trop vite. Juste, j'ai l'impression que c'est la redstone qui descend presque plus vite. J'ai dit 29, voilà. Comme ça va me limiter. Hop. Voilà, 32. Donc, ça, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et ça aussi. Donc, c'est nickel. Ensuite, il nous faut les ventilateurs. Donc, enfin, non, les CPU. Enfin, c'est égal en fait. Donc ça, il nous en faut aussi 32. Qu'est-ce qui manque? Du fer. Hein. C'est vrai qu'on n'a plus de fer. Ça, c'est vrai que c'est un peu la blague. Ouais, ça risque d'être un peu chaud. D'ailleurs, il s'est passé où? Il dit pas qu'on a plus d'iron du tout. Et ça va pas, ça. Ouais, d'ailleurs, ici, on a des ME interface. Donc si je vous montre. Enfin, c'est dedans Apply toujours. C'est ceci. Et donc dans ce cas-là, si on regarde, ça va vers le bas. Et ça exporte directement dans le truc, c'est beaucoup plus facile. Et après, on pourra faire un peu des sortes de pas, dire en gros des crafts. Enfin des. Par exemple, si on veut crafter, je dis ça par exemple, du fer. Si on a besoin dans un craft du fer, ici ça on met que. Si on a besoin de fer, on met des poutres de fer et ça va aller là-dedans, ça va les cuire, ça va les renvoyer. Ici, ça doit les cuire, donc j'espère qu'il y en aura assez. Sinon, ça m'embêtera un peu quand même de plus avoir de fer. En même temps, on va juste prendre le maximum. Tac. Va refaire cuire ici. Voilà. Sinon, peut-être que ça peut être une utilité. D'ailleurs, je sais pas du tout d'où je sors ce truc. Et ça, peut-être qu'on peut les transformer.
Ah bah c'était ça, en faisant comme ça. Donc c'est pour faire des... Ah ok, c'est pour faire les anciens tanks, enfin des tanks Rycraft. Mais on va faire plutôt des tanks... je sais plus. Ok, donc là on peut en faire un. Ouais, on va en... Non, c'est égal en fait. Bah, pour l'instant on va laisser ça comme ça. Ça me saoule ces sons-là. C'est juste horrible. Bon. Tac, on a un peu de fer cette fois-ci. Hop. On n'aura jamais assez. 4. Qu'est-ce qui manque au milieu? Ok. Il me faut aussi ME. Non, processeur, ouais, j'en ai fait. Voilà. En fait, j'avais fait beaucoup de soucis également, donc on va les mettre bah, juste ici. Hop. Et en attendant, on va pouvoir faire le reste. Hein, en attendant que le fer et tout chauffe. Ah, par contre, je vais faire les walls. Ah, mais il faut encore du fer. Oh. Il faut encore du fer. Bon, ça par contre. Ouais. Donc, je vais aller chercher bah, un peu de fer parce qu'il nous manque vraiment beaucoup. C'est un peu. Le comble, je dirais. Surtout quand on a 2000 presque de copper. Mais en fait, vous savez pourquoi? C'est parce à cause de ça. Donc, on a fait le beacon, comme on l'avait dit dans la fin de mon épisode 2. Donc, il est là. Et voilà. Et juste une petite information aussi, les Magnum torches. Si je vous montre juste vite fait ce que c'est. Magnum, non. Magnum torches. Voilà, donc ça se fait comme ça avec de bois, de potions, de heal et une de régénération. Et ensuite, ça comme ça. Et ça permet. Bon, c'est plus super cher à crafter quand même. Mais ça éclaire pas mal. Et surtout, ça repousse les monstres. Enfin, ça fait une zone où les mobs ne peuvent pas rentrer ni spawner. Donc, on a mis sur tout le toit et on en mettra certainement en dessous aussi. Donc, est-ce qu'on a un tout petit peu plus d'iron? Bon, déjà, il me manque des mocha en fait. Donc, hein, on va retourner sur Applied. C'était pour faire quoi? C'était pour faire ça? Non, pour faire ça, pour faire ça, c'était pour faire ça. Ok. On va faire des petits câbles alors. Tac, tac. Super. Il manque encore ça alors. Tac. Je pourrais presque m'en faire. Voilà, un stack. C'est pas grave. Peut-être j'ai peut-être fait un peu trop, mais c'est pas grave. Super, on a plus de verre. Bon, je prépare un peu mieux. Donc, le fer, je pensais pas qu'il nous en manquait autant. Mais c'est pas grave. Allez, à tout de suite. 1 heure plus tard, en ayant mis que du fer, eh bien, on en a pas mal. Donc, on va pouvoir reprendre où on en était. Donc, on a fait les 32 pattern provider. Il nous faut encore. 28 CPU. Oh là là, ça va être le plus long à faire. Ce sera les ventilos et les murs. Donc on va finir les CPU. Normalement, ça va être bon. Tout doit être fini. Hop. Alors 28, il m'en faut. Oula, le fer, ça part super vite. J'en aurai même pas assez pour la fin. 28, ça m'en fera 32. Mince. Super. Oh là là. C'est un peu trop vite. Oh bête, pas une utilité à ce truc. Bon, c'est pas grave. Ensuite, les walls, il m'en faut, j'ai dit 56. Alors, c'est parti pour 56. Oh là là, c'est long. Je n'ose pas faire un stack parce que je sais pas si on peut les retransformer après. Sachant que bientôt il y aura pas assez. Il y aura jamais assez. Il y aura jamais assez. 56, pas que je fasse bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises. Voilà, et maintenant il me faut encore les ventilos, 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 ventilos. Ils sont là. Tac. M4. Tac. Hop. 7 parce que j'ai plus des câbles, c'est parfait. Hop. Tac. Allez. En fait, il m'en fera beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il manque une barrière? Une barrière. J'en avais pourtant prévu. Hop. Allez, 48, ça devrait suffire. J'ai 23. Il manque encore des barrières. Encore des barrières. Toujours des barrières. Oh là là. Ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment limite. Tac, tac.
Vraiment, 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 vraiment limite niveau ressources. J'espère qu'il ne voudra pas. Hein. Me dites pas que j'ai plus d'iron. Oh là là. Bon, je vais aller cuire ça en fait. Et puis ça aussi. Ah, et on va se faire la quarry bah, dans la suite. Parce que voilà, hein, on aura besoin vraiment de quarry et on peut la faire. De toute façon. Donc pourquoi pas la faire, hein. Tant qu'on peut la faire, on va pas se rêver. Donc est-ce qu'on peut finir avec ça? Tac. Des barrières. Je n'en ai plus. Comment ça s'appelle? Iron. Je n'ai pas fait. Ah oui, mais. Ouais. Non, 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 non. Et... Tac. Oh, ma souris a presque plus de piles là. Ça bug un peu. Hop, hop, hop. Hop. Allez, on va déjà avancer comme ça. Je sais que ça va prendre long, mais c'est pas grave. Tac. Oh, je suis à 96. Bon, on va déjà déposer tout ça de toute façon. Parce qu'il faudra bien voir où ça va. Mince. Hop. Voilà, donc de toute façon, il faut mettre ceci. Bah, pour l'instant, on va le mettre derrière. On va sûrement le déplacer après. Donc, j'ai dit 6 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2. Oh, je fais plein de misclics, ça, pas ça. Hop. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Allez, change-moi de mode, s'il te plaît. Change-moi de mode. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Tac, tac. 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? Il y a juste intérêt. Ouais, c'est juste. J'ai fait juste mon calcul. Donc ensuite, on met bah, les hit-zones, donc les ventilos un peu partout. Et ensuite, donc sur tous les bords. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà, et ensuite, on va mettre... Bah, les providers à l'intérieur. Hop, hop. Tac. Non. En shift-click, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, on doit finir avec ceci. Normalement, on peut pas cliquer dessus. Ouais, voilà. Pas besoin de faire des shift-click pour les CPU parce qu'on peut pas les ouvrir. Enfin, c'est pas des blocs ouvrables. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et tac. Et ensuite encore un. Normalement, il va me rester 3. Si j'ai bien fait mes calculs. Voilà. Donc, ensuite, on va juste encore prendre ben, des me câbles. Et me câbles. Et me câbles. Voilà. On a juste à relier depuis là. Hop, 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 hop. Voilà pour l'instant. Et bah, on se retrouve. Bah, je fais une petite coupure et je vais me finir avec les events. Il m'en restait bien une septantaine à faire. Allez, je reviens tout de suite. Encore une heure après pour moi. J'ai réussi à prendre assez de fer et de ressources pour finir les events. Et avec. Bah, en les ayant, pardon. Placé tout autour sur chaque face, on arrive aux 96 qu'il nous fallait. Il reste plus qu'un à poser. Vous verrez, ça va changer énormément de forme. Voilà, c'est tout beau et on peut cliquer dessus. Et on voit qu'il y a... Oula, je crois que j'ai fait peut-être un peu gros. ouais, bon, c'est pas grave. On aura 32 pages pour ça. Et maintenant, à quoi ça sert, vous me direz. Alors, vous allez voir. Voilà, bon, il y a encore le craft. Voilà, là il y a trois petites machines par terre.
Alors, il y a le pattern encodeur. Donc, le pattern encodeur, il est ici. Voilà, c'est pas trop compliqué. Il vous en faudra, sachez-le. Partition editor. Si c'est pas obligatoire, mais on peut s'en faire un. Donc, on l'a déjà fait, mais c'est pas spécialement obligatoire. Si je le retrouve par rapport au graph pour le montrer, où est-ce qu'il est? Applied par non, juste mérite. Partition editor. Voilà, donc comme ceci, et ensuite un io porte. On s'est fait également ça. On a... Ah, il était là. On va pas l'utiliser tout de suite, parce que c'est pas spécialement très utile. D'ailleurs, il est là. Voilà. Donc, avec deux M drive. On a quand même pas mal de M drive. Mais bon, c'est pas très utile pour l'instant, ni ça. Ouais. Je vais juste vous montrer pour ceci. Donc, pour ceci, il va vous falloir des blank patterns, donc des patterns tout blancs, donc vides. D'ailleurs, sans vous, j'ai un problème avec les crafts aujourd'hui, c'est pas possible. Ok, s'il part de l'autre côté aussi. Voilà, on va s'en faire, je sais pas, par exemple, 4. Voilà. Donc on va prendre un peu tous ces trucs qu'il y a là. Vous verrez pourquoi. Hop, hop. Hop, et les deux verres. Parce qu'on va crafter directement le premier. Le premier, ça sera grâce à. Ça sera pour se crafter les blank patterns. Donc pour ça les patterns de base. Donc voilà, vous mettez le craft que vous voulez ici, donc ça vous laisse les minerais. Vous mettez un blank pattern ici et vous mettez un code. Voilà, vous avez votre pattern. Donc après ici vous avez juste enlevé tout ça pour enlever pour réinitialiser, et donc vous avez votre uncode pattern. Et ensuite vous avez simplement à le... Non, peut-être pas, je vais peut-être le mettre plutôt à la page 1. Voilà, comme ici. Et donc vous voyez carrément ce que c'est comme craft. Donc là, vous avez l'impression que c'est la même chose. C'est la même chose, hein. Les crânes, c'est pareil. Par exemple, deuxième truc qu'on peut se faire, on peut se faire par exemple, une fois des sticks. Par exemple, des sticks. Voilà, on va se faire un craft de sticks. Et ensuite, c'est pas trop cher à faire. Un craft de sticks en code. Voilà. Et ensuite avec ces sticks, on va dire qu'on doit faire des gears. Hop, 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 hop. Oups, j'ai fait 64. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on aura du stock. Pattern encodeur. Tac, 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 tac. Ça nous fait une gear et on la place là. Encode. Voilà. Et normalement, si on va là-bas, tac, on place ça ici. Hop et hop. Vous voyez tout ça. Et normalement, si on cherche, soit vous cherchez dans Minecraft. Oui, non, non. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Oui, gear. Pardon. Voilà. Si on les enlève, voilà, ça va être écrit craft. Hop. Par exemple, je vais dire une. Voilà, ça la craft. Et ensuite, on a simplement, parce que là j'ai des sticks en stock, donc c'est pas un problème. Mais là je peux aussi crafter des sticks, donc c'est vraiment pratique. On va reposer ça là-dedans et on va poser tout ce que j'ai là pour l'instant. Voilà, donc c'est pour ça le pattern. Tout ce... bah, le craft auto, voilà, ça c'est comme ça que ça marche. Tout simplement, il y en aura pas mal de craft et ensuite on pourra tout automatiser. Deuxième chose que je voulais faire dans cet épisode, hop, on va faire une petite quarry comme ceci. Voilà, justement des gears, on va en avoir besoin normalement. Donc, le seul truc qui est compliqué à faire, c'est ceci. Ceci, et j'espère qu'on a encore du stainless. Sinon, on a encore 6, ça va jamais suffire. Mais normalement, on a encore du manganèse. C'est ce qui compte, donc une plate mining machine juste ici, pas configuration 12, configuration 1, hop, pose ça là, non, c'est dans l'autre sens, comme ceci, voilà,
Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Tac. Ceci, donc ça va être. Ah, c'est vrai à faire aussi. Il me faut ça. Il me faut de la coal dust. Est-ce que j'ai de la coal dust? Coal dust. On n'en a pas. On va le. Attends, est-ce que c'est de la coal dust seulement ou c'est également. Enfin, tout le reste. Tac, tac. Coal dust ou pulvérisé de coal dust. Voilà. On brûle complètement les pinceaux, mais c'est pas grave. Alors, on va mettre ça dans le pulvériseur. Tac, tac. Hop, on va faire beaucoup plus en fait. Je pense que ça va être beaucoup plus utile par la suite. J'espère qu'on a gardé un peu de silex. On a zéro. Est-ce que c'est sérieux? On a zéro silex. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ça... Ah, peut-être qu'ils sont là. Je sais pas si ça. Oula, on a beaucoup de. Non, 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 ok, on n'a pas de silex, mon dieu. Bon, c'est pas grave pour l'instant, on peut continuer comme ça. Tac, donc ça, voilà, c'est pas. C'est faisable. Et ensuite, hop, encore ceci. Donc ça, c'est si faisable. Donc allons chercher les peut-être on a encore du manganèse grâce à la dark dimension du manganèse on en a encore donc c'est parfait ouais, du chrome on a tac alors tac 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 et on va se prendre ceci et il nous faut de la iron dust super bon. Je crafte cette quarry et on se retrouve juste après. Enfin, je vais crafter plus ou moins la quarry, en tout cas préparer tout ce qu'il faut. Allez, à tout de suite. On se retrouve juste après, donc j'ai un peu avancé pour la quarry, donc notre fameuse quarry, qu'on va pas allumer tout de suite. Là, pour l'instant, juste craft, il faudrait que je voie avec quelle source d'énergie on va utiliser pour la faire tourner. Parce que comme vous avez pu le voir, on a un peu en manque de minerais, donc c'est vraiment important qu'on la mette assez rapidement. Donc j'ai préparé un peu toutes les rouages qu'il faut. Juste pour celui-là qui est un peu différent. Donc c'est avec des bâtons et des plaques. Les bâtons, voilà, comme ceci. Donc comme tous les bâtons de Nibiru. Sauf les sticks de bois, bien sûr. Et j'ai aussi fait un autre petit détail, c'est pour ça. Parce que sinon ça fait vraiment beaucoup trop de bruit, cette machine. Et donc, aïe. Attention, hein, ça fait mal. Comme je vous l'avais dit. On peut avoir encore un peu de titanium qui va pouvoir nous servir pour notre quarry. Donc j'ai aussi fait chauffer les machins là pour avoir les industrial diamonds. Donc ça on regarde juste l'utilité. Donc vous voyez, ça va me donner encore de la bauxite et du titanium si jamais dans la centrifuge. Donc je vais m'empresser de faire ça. On va récupérer tout ça, non pas ça, tac tac tac. Et on va simplement mettre ça comme ceci, voilà, ça va faire tourner un peu. On pose tout ça là-dedans, hop, comme ça nous donne du rubis aussi, c'est pour ça aussi qu'on a lancé ça dans les centrifuges. Donc maintenant, on va faire notre quarry simplement, et dans la fin de l'épisode, je vais la mettre en route, certainement. Donc d'abord, il nous faut ça, hop. Ça, parce que j'ai tout autour sur moi, donc voilà. 1, 2, 3, il nous en faut qu'on doit mettre dans le compresseur. Je dis si je dis pas de bêtises. Ouais. Compresseur, allez, c'est parti. Hop, toi t'attends. Parce que en fait, je voulais aussi en faire. Je vais en faire un deuxième pour moi-même. À la place de la pioche, je sais pas si c'est mieux ou pas. Faudrait tester. De toute façon, ça devient plus trop compliqué à avoir ce genre de choses. Et ensuite, les plaques de titanium, il faut juste que je les aille. Titanium, j'en avais préparé, je crois. Voilà. Combien de deux il me faut? Bon, c'est parfait. Hein. C'est assez facile d'avoir du titanium. Tac. Plaque de titanium. Hop là. Et il me faut encore le simple tournevis. Ça s'appelle pas tournevis, c'est drill. Voilà. Bon, le simple drill,
Donc normal. Tac. On va pouvoir s'en faire 2. Nickel. Ouais. Hop. On fait 2 déjà. Comme ceci. Et ensuite, il faudra faire juste ceci. Juste ici. Alors, dans le compresseur, est-ce que ça nous a fait? Oui, c'est nickel. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, vous voyez, même là, on entend encore le bruit, donc c'est un peu, un tout petit peu gênant, mais c'est pas grave. Par la même occasion, en fait, il fallait que je prenne les plaques de titanium. Et ensuite, à la suite, on va faire une nouvelle source d'énergie, un peu comme je faisais dans ma saison Feed the Beast. Si vous savez ce que c'est, ça sera des panneaux solaires. Hop, ça pourrait toujours être utile et c'est un truc que je voulais, j'ai pas fait auparavant, mais maintenant que je peux la faire. Ok, en fait j'ai tous les trucs sur moi, donc on peut la faire. C'est pas trop compliqué, ça nous donnera une sorte d'énergie en plus. Voilà notre quarry, donc on va la poser après dans l'épisode. On va juste se faire les solar panels de base. Donc c'est ceci. Ça, voilà. C'est faisable. Facilement. Hop. Ok, j'ai pas d'aluminium. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Aluminium. N'a pas d'aluminium. Ok. Ça, c'est pas... Top 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 top. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'avoir de l'aluminium? Ou c'est le seul moyen d'avoir ça? Ah bah c'était beaucoup mieux comme ça. On peut pas avoir d'aluminium en fait. Ah bah c'est nickel. Ok, l'aéro machinal on peut pas le faire parce que c'est le même craft que ça. J'ai plus de pack d'aéro. Hop, on va se faire un petit demi-stack. Hop hop hop. Tac. Et notre panneau solaire. On va juste se faire encore ceci. Hop, ceci. Tac, il manque quoi? Il manque une carbon plate. Ok, super. Dust. Je dois en avoir. Il m'en manque. C'est pas possible. Enfin, je crois que c'est ouais, c'est bien 4. Hop. Ah mais ils sont là en fait. Bon, je fais juste le panneau solaire. Enfin, je prépare les trucs et je reviens. Eh bien, nous revoici tous ensemble pour finir ce qu'on avait à faire. Donc, il faut que je me prenne déjà mon petit drill que j'avais déjà fait quand même. What? Voilà, comme ceci. Donc, on va se prendre celui-là pour l'instant. Après, on va l'améliorer en diamant. C'est pas un souci. Et ensuite, on va... revenir sur le solar panel, pardon. Voilà, donc on va faire ça. Hop, hop. Et je l'ai pris ici. Voilà. Allez, on va en faire 2 comme ça. Et ensuite, il fallait également celui-là. J'ai fait pas mal de plaques. Bon, on va faire 2 donc. Voilà, 2. Et on va aller dans la sampling machine. Et voilà. Et ensuite, on va essayer d'aller quand même poser la quarry. Pour la fin de cet épisode, parce que je pense que il dure déjà pas mal de temps en fait. Donc là, on a déjà commencé à en préparer. Donc c'est super long l'assembly de machine. On a déjà préparé un et en encore deux normalement dans le tri. Voilà, deux et on va donc les poser juste ici. Hop, faut juste qu'il fasse jour par contre. Voilà, on va juste dormir un petit coup. Voilà. Et donc normalement, là il est plein, mais si par exemple j'y mets ça, hop, ça pompe. Ils ont pas l'air de... Ah ok,
ils peuvent chacun stocker deux U, c'est super. Donc voilà, hein, si vous voulez avoir deux U, c'est vers la fin. Et donc là, vous voyez, bah, ça se remplit plutôt bien, quoi. Franchement, c'est pas trop mal, ça. C'est ouais, ça se remplit constamment, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, c'était ce drill là. Allez, clic droit, ça pose des torches. Ok, c'est intéressant. Bon, pour l'instant, ça ressemble plus à une pioche en fer ou en diamant, peut-être. Non, plus en fer, je dirais. Bon, j'aurais pas dû faire ça, mais bon. Et on va essayer de se faire la petite quarry. Par contre, je sais pas du tout où on va la faire. Moi, je pense qu'on va aller la faire. Ouais, je pense ça. Est-ce qu'on a des landmarks? On n'en a pas. Alors, tac, torche. Bon, redstone en fait. Voilà. Hop. Bon, mince, il m'en faut plus en fait. Hop. Bon, en fait, je pourrais très bien faire un truc tout simplement. La pisse. Hop. Et un stick. De stick, hop, hop, tac, enfin même pas 4 en fait, il me faudrait 3, mais c'est pas grave. Voilà, comme ceci, et on va pour l'instant prendre simplement qu'est-ce qu'on peut prendre? Soit on prend de la vapeur, on la transforme directement là-bas. Je vais regarder si on a bridge. Non, on n'a pas, et j'ai pas envie de le faire. Il faudra que je fasse peut-être soit je fais avec la vapeur, donc comme ici, donc je prends d'un des boilers, enfin c'est tous pareil en fait, ils sont tous en même temps. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse un boiler, je pense, pour voir un peu la quantité qu'on en a. C'est pas mal. Sinon, il y a les tesseract ici, qu'est-ce qu'il donne lui? Salaire, item, fluide. Ouais, mais ça dit pas s'il y a de l'énergie ou pas dedans. Ouais, c'est sympa, mais il y a. Vous savez quoi? On va faire ça comme ça. Hop. On va poser ça juste ici. Voilà, on va mettre. Configurer. Ok, bon, les publics alors. Tac, et on va mettre. Bloquer. Bloquer et. Sun only. Voilà, et ensuite on va juste récupérer l'autre qui est là. Bon, pour l'instant, ça c'est juste provisoire, on va dire. Normalement, il a de l'énergie, il en reçoit et il envoie de l'énergie. Okay. C'est nickel. Maintenant, on va aller se poser. Je pensais me poser peut-être autour sous la montagne, je sais pas du tout. Ou même sous la base en fait. Ouais. J'ai peur que ça lag en fait. Bon, allez, ce mode là, ça sera plus facile pour monter. C'est quoi ce. Oh. Ok, il a fait une farm avec ça. Je croyais pas le deal qu'il y avait là-bas. Pas de faire un énorme trou en fait. Il y aurait à faire, il faut faire en dessous. C'est. Oh. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, sur la base, il y a déjà en fait un trou, faut pas le creuser plus. Bon, pour l'instant, on va aller. J'en sais rien, on va défoncer le reste. Allez, on va se poser là-bas. Allez, tac. Non, j'ai pas pris de coffre. Bon, normalement, j'aurai encore l'accès jusqu'à là-bas. Mais je pense que bah, dans le prochain épisode, soit on va faire les lasers, soit on fait les lasers en avance, soit on fait les abeilles ou les crops. En plus détaillé, les abeilles, je préfère, j'ai plus ou moins compris. Alors que les crops, c'est un peu encore flou pour moi. Bon, allez, on va dire que c'est ici. Hop, on va se faire un truc. Tac. Bon, pour l'instant, ouais, il va peut-être m'en vouloir au pire. J'emboucherai le haut. On va faire ça comme ça. Hop.
Bon, il y a de l'eau, c'est un peu dommage. On va pas faire non plus trop gros. Hop. Voilà, je colle là. Ça semble pas mal. Hop, et hop, là. Il y a plein de cochons. Plein de petits cochons, petits cochons, petits cochons. Allez, tac. Un petit joli bruit. Allez, rends-moi mon truc. 3. Pourquoi les cochons me suivent, hein? J'ai pas une carotte. Voilà, et on va pouvoir poser ceci. Comme ça. Hop là. Alors. Hop. Et lui, il reçoit seulement. Bloqué, bloqué. Voilà, on va prendre ça comme ça. Peut-être. C'est ça qui. Pourquoi? Ah, ça marche. Oula. J'ai pas vu. Donc ça marche. On va juste prendre. Est-ce qu'on a un under chest? Non, non. Pour l'instant, on va simplement mettre ça comme ça. Normalement, ça doit être mieux. Ah, super. Par contre, il faut des colorants. On va mettre red. Allez, on y va. On n'en a pas. Red, bleu. Non, bleu, je crois pas. Qu'est-ce qu'on a? Green. D'ailleurs, il y a les trous de là-dedans. Allez, ouais, et on y va pour bleu. Hop, on va mettre un au milieu. Voilà, comme ceci. Ah, bon, il est vide, ok, nickel. Allez, allez, accélère un tout petit peu. Allez, toi le cochon. Merci. Parce que je commence à bientôt plus avoir de bouffe. Dis-moi, juste. Mince, il me faut une arrow. Arrow. Voilà, je vais prendre ça en fait. Puis ça en fait plutôt le boucher avant parce que sinon ça va être la merde. Il y aura de l'eau partout. Bon, l'eau c'est pas trop gênant, c'est plus dans le nether que ça peut être embêtant. Ouais, d'ailleurs faudrait que je vous montre, on a fait un peu des trucs dans le nether, mais bon c'est pas spécialement important dans le sens, c'est juste de la déco. Donc, je vous montrerai peut-être dans le prochain épisode. Je sais pas si, dites-moi, enfin, ouais, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des crops ou plutôt on continue niveau. Qu'est-ce qu'il faut, les lasers, et ensuite on peut se faire. Bah non, on est plus ou moins au même stade qu'avant en fait. On se pose la quarry alors que je l'avais pas encore faite, donc c'est pas mal, franchement. Je trouve que c'est un bon progrès comparé à la dernière fois. Bon, alors on va bientôt cesser. Pour cet épisode 2 de Nibiru, deuxième version. Et oui, hein, deuxième version pour ceux qui ont oublié. Hop là, hop là, hop là, et hop là. Super. Ça gère un peu de niveau, il m'en faut un tout petit peu. Allez, on va juste regarder que ça marche, que ça creuse. Bon, c'est plutôt. Ouais, non, c'est pas spécialement rapide. D'ailleurs, je me rappelle même plus comment je fournissais l'énergie avant. Ah oui, je faisais avec des engines et tout, ok, c'est un peu le. Un peu compliqué à faire là, vous voyez, c'est super simple. Ah, il devient vert, il ralentit jaune. Allez, allez, il a de l'énergie au moins. J'espère. Oula, en fait, non, c'est extrêmement rapide en fait. C'est plutôt pas mal. Donc, il pompe. Ok, il y a tout qui vient là-dedans. C'est pas le top. On va vite rentrer à la maison. Vite, il me faut un under chest également. Hop, 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 under chest. Go, hop, là, tac, hop. Où est-ce que je peux le mettre? Il faudrait que je le mette et que je le vide. On va le mettre par ici, tac. Lapis. Au milieu, il me faudrait un petit. Un porte. On n'a pas. C'est super. Un porte. Précision fusil, allez, alors, basique. Hop, on va faire ça là. Faudrait que j'organise un peu tout ça. On n'a pas ça du milieu, j'étais sûr. On a ça, hop. Et voilà, on a un petit import.
On va le mettre comme ça. On va pas s'embêter. Et ça se vide, ok, c'est bon. Et aussi, encore une dernière chose que j'avais oublié de vous montrer au début de la vidéo, c'est le M Crafting Monitor. Si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'il est? Crafting Monitor, voilà, comme ceci. C'est celui-là. Et à quoi il sert? Par exemple, si, disons, je veux crafter par exemple. Bon, on va dire ça par exemple. Je dis, on va crafter. Non, ouais, on va crafter par exemple. C'est en iron. Je dis par exemple une. Voilà, normalement ça peut pas mal crafter. Bah si, ça a tout fait. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu bizarre en fait. Dans ce cas-là, ouais, je sais ce que je peux faire. Par exemple, je peux faire. Je sais pas si on a beaucoup. Ouf, un peu trop de bois. Qu'est-ce qu'on a comme craft là-bas que je pourrais vous montrer? Ouais, c'est un peu. Pattern. Comment on les fait déjà? U et Y. Est-ce qu'on a beaucoup de glowstone? On a beaucoup. Quartz, on a encore beaucoup. Iron. Ouais. Glace. Ah, bah ça, parfait. Par exemple, si je mets ça comme ça. Hop. Et maintenant, je demande un petit pattern. Hop, on les enlève. Et je demande craft de 1. Normalement, il peut pas se crafter parce qu'il n'y a pas de verre. Et si on va là-dedans, donc ça nous dit qu'un rend de crafter ici. Ce qui est en train de crafter. Enfin, ce qu'il veut crafter ici. Ce qu'il est en train de crafter s'il a d'autres crafts. Donc, ici, par exemple, je regarde pour les gears en diamant, par exemple, ça va dire. Il est en train de crafter, c'est l'enfer, non, en bois, en cobble, en fer, en or, etc. Et là, ça dit les matériaux qui manquent. Si je mets ça dedans, hop, voilà, il est fait, c'est parti. Donc voilà, c'est tout simple. Donc j'avais oublié de vous montrer juste avant, c'est un petit détail, voilà, je vous montre maintenant. Et bah, j'espère que l'épisode 2 de Nuviru vous aura plu. Et bah, on va se retrouver pour le prochain épisode, soit sur des abeilles ou des crops, c'est pas encore sûr, faut que je voie avec Dave, ou sinon ben, ça va être de continuer dans ce qu'on est, un peu de construction entre deux, et ben, j'avance un tout petit peu de mon côté sur les trucs qu'on a déjà fait, mais c'est surtout sur la construction, et ben, d'ici 2-3 épisodes, on commencera un peu à faire tout ce qui est automatisation, mais vraiment complète, voilà, allez. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.